c'est l'histoire d'un peuple qui ne connaît rien d'extérieur, d'une nation qui s'est créée dans la douleur et sous le feu de la guerre. Aujourd'hui, je vous propose une expérience un peu spéciale parce qu'on va réfléchir à quelques concepts importants du storytelling, mais qui pour le coup ont été utilisés à très mauvais escient. La République populaire démocratique de Corée du Nord vient de fêter le 108e anniversaire de la naissance de son père fondateur, Kim Il-sung. Et si je voulais vous en parler, c'est parce que la lignée des Kim ont réussi un tour de force, mais qui pourrait bien s'arrêter à tout instant. Alors, prêt pour un voyage des paysans ? La République populaire démocratique de Corée, autrement appelée la RPDC, ne peut s'analyser qu'en regardant son passé. Après avoir été annexée par le Japon il y a plus d'un siècle, la Corée se retrouve pendant de nombreuses années humiliée, exploitée, parfois torturée. 27 ans d'occupation font mûrir l'idée d'une révolution dans la tête d'un homme. Il mena une guérilla dans la ville de Pochonbo, transformant l'endroit en zone de guerre. L'info circule dans un quotidien coréen et ainsi démarre la légende de Kim Il-sung, la figure de la révolution, le commandant soleil. Pour éviter d'être assassiné, Kim Il-sung se réfugie en Chine et rejoint l'armée maoïste dans laquelle il va développer son réseau et notamment accéder à Staline. En 1945, le Japon subit la défaite totale et la Corée, à l'instar de l'Allemagne chez nous, fut divisée en deux blocs. La Corée du Sud appartenant au bloc américain et la Corée du Nord appartenant au bloc soviétique, avec à sa tête Kim Il-sung, placé par Staline. C'est le début du règne des Kim. Pourtant, au départ, il était loin de faire l'unanimité. S'il était l'auteur de la bataille de Pochonbo, marquant le début de la révolution coréenne, il était accusé, et à juste titre, d'être à la solde des Russes. On aurait tendance à penser que, vu que c'est une dictature, il suffit juste d'être désigné comme chef. Mais en fait, c'est très loin d'être aussi simple en réalité. Pour convaincre et avoir l'adhésion d'un groupe, d'une manière générale, il ne suffit pas d'y être placé à sa tête. Vous devez être légitime pour mener ce groupe. En l'occurrence, si Pochonbo a marqué le début du récit de la Corée et d'un homme, il manquait de quelque chose, d'un symbole fort pour asseoir cette légitimité. 25 juin 1950, Kim Il-sung attaque la Corée du Sud et surprend tout le monde. Son objectif est simple, récupérer le Sud, quitte à faire tous les sacrifices. En quelque temps, sa domination est totale et le Sud est complètement annexé. Mais revirement de situation, les armées des Nations Unies reprennent le Nord. Enfin, la Chine vient en aide à son allié et ils finissent par repousser les Américains. Résultat des courses, 800 000 morts, une frontière quasiment identique, un armistice signé qui suspend la guerre. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les deux pays sont toujours en guerre officiellement. Mais l'histoire est un peu différente là-bas. En Corée du Nord, et pour tous ses habitants, le pays a gagné la guerre, grâce à son leader Kim Il-sung. Voilà qui marque la naissance d'un des états les plus autoritaires du monde moderne. Puisque les Japonais et les Occidentaux veulent du mal à la Corée du Nord, alors ils vont se défendre. Ils vont fermer leurs frontières, se protéger et investir massivement dans leurs forces militaires. Kim Il-sung érige des monuments, rappelant les luttes lors de la bataille de Pochonbo. Il ouvre des musées retraçant les horreurs que les Japonais et les Américains ont fait subir à son peuple. Et il change petit à petit les mentalités en développant ce climat de peur. Tout opposant au nouveau régime est liquidé. Et l'ensemble est savamment orchestré pour que les habitants de la RPDC se joignent à leur histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Corée du Nord sort d'atrocités et d'un demi-siècle de terreur. Un chef qui arrive, les protège. Quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour l'indépendance de son pays, après tels événements, gagne cette fameuse légitimité. C'est sur ce mythe, ce récit commun, que l'autorité des Kim va s'ancrer pour de nombreuses années. Nous avons là un exemple terrible, mais très probant, d'un storytelling, d'un récit parfaitement maîtrisé. D'un côté, le héros, ici le peuple nord-coréen, n'aspire qu'à vivre de façon paisible, mais il est asservi de toutes parts, privé de liberté par les méchants japonais et américains. Quelqu'un se dresse face à l'ennemi, le repousse et gagne même la guerre face à lui. Le peuple nord-coréen sort de l'asservissement et décide de ne faire confiance qu'à lui-même et à son leader. Avant d'écrire cette vidéo, je pensais que c'était relativement simple. À coup de propagande,
de répression et de récit collectif, d'imposer un successeur et que ça serait relativement facile. Mais en fait, en fouillant, j'ai compris quelque chose. Si la légitimité de Kim Il-sung s'est forgée par le sang, par la guerre et par la propagande, cette dernière seule ne suffit pas à expliquer le passage de relais de génération en génération. Car oui, autant dans le passé, une religion pouvait expliquer la transmission entre les rois par les liens du sang, autant pour la gouvernance d'un état moderne dont l'histoire fondatrice est toute récente, et encore dans les esprits de ses habitants, bah c'est autre chose. Pour avoir une autorité et succéder dignement, la légitimité, encore elle, est capitale. Et cette légitimité, elle se prépare, elle se construit. Elle ne se fait pas en quelques années. À la mort de Kim Il-sung, le père fondateur de la RPDC, son fils, Kim Jong-il, prend le relais. Mais ce dernier n'est pas sorti de l'œuf. Depuis 20 ans, il faisait ses armes, il gagnait ses galons, développait sa carrière et apparaissait de façon régulière en public. Mais l'histoire a été un peu différente lorsque Kim Jong-il décéda à son tour, en 2011, et que son fils, Kim Jong-un, prit la relève. Kim Jong-il eut 3 fils, qui auraient pu hériter du trône. Malheureusement, il ne semblait pas vraiment faire l'affaire. L'un était jugé comme trop efféminé, et l'autre a été pris en flagrant délit avec un passeport dominicain mal imité en train de se rendre à Disneyland Tokyo. Pas très sérieux. Il restait celui-ci, le plus jeune, Kim Jong-un. Après avoir fait ses études en Suisse, il a dès 2004 été pressenti pour prendre la relève de son père. Mais il y avait du travail. À peine la vingtaine, il fallait déjà le préparer au pouvoir. En 2006, des badges à son effigie sont même donnés au plus haut gradé de l'armée. Kim Jong-un gravit les échelons petit à petit. Mais il ne sera montré en public pour la première fois qu'en 2010, lors d'une parade militaire. 2010, soit un an avant le décès de son père, Kim Jong-il. Kim Jong-un, âgé de 27 ans, doit prendre la relève, alors qu'il est très peu connu. En cherchant des articles d'époque, on se rend compte que ce n'était pas gagné. Entre son oncle, qui semblait avoir quelques ambitions et qui lui a valu d'être assassiné plus tard, enfin, malencontreusement dévoré par les chiens errants, selon la presse nord-coréenne, et l'armée qui pourrait à tout moment se retourner contre lui et son autorité. Il a dû faire preuve de beaucoup de ténacité pour garder sa place, en maintenant le développement nucléaire par exemple, et surtout en réformant son pays. Durant la décennie précédente, il a mis sur le devant de la scène non plus les ouvriers, symbole historique du mouvement communiste, mais des scientifiques. Il a érigé de nombreux bâtiments modernes, a développé la vie et l'économie et a tenté d'améliorer la vie de ses concitoyens. Kim Jong-un dut apprendre sur le tas et réussit à conserver intact le mythe de Kim Il-sung. Mais malgré ça, il y a une faille. Les temps changent. S'il y a presque un siècle, les blessures étaient fraîches, l'eau est passée sous les ponts depuis. De Kim Il-sung, le père fondateur de la RPDC, à Kim Jong-il, son fils, il s'est déroulé environ 20 ans entre sa formation et sa nomination à la tête de l'État. De Kim Jong-il à Kim Jong-un, il s'est écoulé moins de 10 ans entre sa formation et seulement un an entre sa première apparition publique et sa prise de pouvoir. Mais aujourd'hui, que Kim Jong-un serait, selon la presse, mourant, qui pourrait prendre sa place? Qui va maintenir le mythe? Son fils a une dizaine d'années, autrement dit impossible. Sa sœur, elle, serait pressentie pour prendre cette place. Mais à chaque succession, la question se répète en boucle. Quid de sa légitimité? Kim Yo-jong, sœur cadette de Kim Jong-un, commence à devenir une figure publique dès 2014. Elle est en charge de la propagande et s'occupe de la communication autour de son frère. Elle a même la réputation d'être encore plus sanguinaire que lui. Mais est-ce qu'une réputation de terreur suffit à préserver son pouvoir? C'est la question que je me suis posée. En réalisant mes recherches pour cette vidéo, je me suis demandé, est-ce que la seule terreur et propagande suffit à gouverner un État? Est-ce qu'un récit commun et une justification par les liens du sang peut suffire, surtout dans un État non religieux, à préserver son pouvoir? Eh bien, je ne pense pas. Déjà, il y a de nombreuses vidéos sur le net de Coréens du Nord qui se sont enfuis, qui parlent aujourd'hui. D'autres expliquent qu'ils savaient très bien qu'il y avait autre chose dehors, à l'extérieur des frontières. Les rares images qu'on peut voir, c'est essentiellement Pyongyang, la capitale, autrement dit, les 3 millions d'habitants les plus privilégiés du régime. Tous les autres sont totalement invisibilisés. Les générations passant, les conflits commencent à être loin derrière, et les préoccupations changent
Les ambitions et les envies évoluent. Kim Jong-un l'a bien compris en essayant de développer le train de vie de sa population, en créant par exemple de nouveaux bâtiments modernes et en investissant massivement dans la recherche et la science. Maintenant que son état de santé est remis en cause, en tout cas d'après les infos que j'ai au moment où je tourne cette vidéo, et qu'il est trop tôt pour que son fils puisse prendre la suite, la Corée du Nord, sans cesse à la limite de l'effondrement économique, obligée de développer plein de magouilles souterraines, victime de guerre et de famine, a son avenir très incertain. Le récit des Kim a en fait du plomb dans l'aile. Comment va se passer la suite? Le fils de Kim Jong-un est trop jeune, mais il finira bien par grandir. Sa sœur elle-même a des enfants. Lorsque viendra son tour de disparaître, ses enfants prendront la suite ou ce sera à nouveau le tour des enfants de Kim Jong-un? Les zones de tension à venir sont nombreuses. Et les questions aussi. Ça ne m'étonnerait même pas que cette fois ou la suivante, l'État finisse par tomber, tant son récit commun s'effrite. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, et comme je vous le montre sur cette chaîne, on peut apprendre aussi bien des belles choses que des plus terribles. Parce qu'en fait, ce mécanisme de récit, il est commun à tous, même à nous. Tous nos états reposent sur des mythes fondateurs, au même titre que nos religions ou nos civilisations. La Corée du Nord ne fait pas exception. Si son récit tombe, un autre prendra le relais. Ces récits, nous en avons besoin. Une théorie, le chiffre de Dunbar, explique qu'au-delà de 150 personnes, il est impossible de maintenir la cohérence d'un groupe. Si vous constituez un groupe qui comporte plus de 150 personnes, eh bien, garder la cohérence devient difficile et des scissions s'opèrent dans le même groupe avec des nuances et des avis divergents. C'est typiquement le cas des partis politiques. À droite comme à gauche, c'est les socialistes, En Marche, les Républicains et tous les autres. Vous avez des ailes gauche de la droite, des ailes droites de la gauche, bref, des nuances. Mais si on observe le monde, nos frontières, nos pays, nos cultures et nos façons de faire, elles n'ont de sens que celui qu'on leur donne. Factuellement, rien ne nous oblige à faire comme ça. C'est pour ça qu'un État a besoin de créer des mythes autour de lui. En France, bon nombre de nos institutions sont le fruit de nombreuses années de construction, de débats et de grands moments d'histoire. Et ces histoires, elles ont un but, c'est de permettre de dépasser ce nombre fatidique de 150 personnes qui permettent à des groupes beaucoup plus importants de se réunir autour d'une idée commune. Ça vaut pour un État, ça vaut pour une association et des entreprises aussi. Le problème, c'est que l'histoire se répète. À la fondation d'un mouvement, d'un groupe, d'un projet, on a tous en tête pourquoi on est ensemble. Mais le temps passe, les épreuves aussi, et petit à petit s'effrite ce souvenir. C'est pour ces raisons que la culture d'un projet, son histoire fondatrice, ce qui fait qu'on se rassemble, c'est quelque chose à protéger absolument si vous ne voulez pas que vos troupes se désolidarisent petit à petit. Et plus le temps passe, plus l'histoire est difficile à maintenir. Dès que les fondateurs disparaissent, le récit et les valeurs communes se fragilisent obligatoirement. C'est pour ça que personnellement, j'ai du mal à croire que la Corée du Nord va durer encore très longtemps, pour toutes ces raisons. Et j'avais envie de vous le partager, car aussi terrible que peut être ce sujet d'étude, il n'en reste que chaque chose peut être source d'enseignement bénéfique pour nous. Et je vous dis ça en connaissance de cause, car c'est la grosse erreur que j'ai faite dans le passé. J'ai ignoré les enseignements que je pouvais apprendre d'une personne parce que je ne la portais pas dans mon cœur, autrement dit par idéologie. Mais faire ça, ça rétrécit notre pensée et ça nous fait prendre du retard sur ceux qui cherchent à comprendre et à apprendre comment fonctionnent les choses. L'important, c'est d'en dégager des outils et des procédés qui peuvent être utilisés à bon ou à très mauvais escient. Et ça, c'est à vous d'écrire l'histoire. Parfois, c'est plus difficile et du coup, il faut pouvoir utiliser des procédés vicieux pour pouvoir aider les gens.